Françaises, Français, mes chers compatriotes d'Hexagone, d'Outre-mer et de l'étranger, à l'heure où je vous parle, notre pays est confronté à une reprise forte de l'épidémie. Nous avons, pour faire face à cette nouvelle donne, un atout maître qui change tout par rapport aux vagues précédentes, le vaccin. C'est donc une nouvelle course de vitesse qui est engagée. 9 millions de doses vous attendent dès aujourd'hui, qui n'ont pas encore été injectées, et nos commandes continuent d'arriver. Que ce soit donc près de chez vous, sur votre lieu de vacances, avec ou sans rendez-vous, faites-vous vacciner. C'est la seule façon de vous protéger et de protéger les autres. Nous devons aller vers la vaccination de tous les Français, car c'est le seul chemin vers le retour à la vie normale. La vaccination sera rendue obligatoire sans attendre. Il faut commencer dès maintenant. Il n'y a donc pas d'inquiétude à avoir. Une campagne de rappel sera mise en place pour vous permettre de bénéficier d'une nouvelle injection selon le même système et dans les mêmes conditions que là où les premières. Ah non, pas de piqûre, hein ? C'est impossible ! Le médecin me l'avait promis ! C'est lui qui les a ordonnés ? Oh, pas de piqûre, je ne supporte pas les piqûres, docteur ! Vaccinez un maximum de personnes, partout, à tout moment. Piqueuse, docteur ! Voilà ce que nous devons viser. Docteur ! Mais malgré le vaccin, je vous demande à toutes et tous de continuer à être prudents. Ah bah tu vas déjà mieux. Et de continuer à respecter ces gestes barrières contre le virus que vous connaissez bien désormais. Encore une. Encore une. Vive la République. Et vive la France. Quelle joie de vous revoir. J'ai heureusement pour vous un petit service à vous demander. Mais lequel est-elle? Voici ce que vous allez faire. Comment cela?